L'idée d'étudier à l'étranger peut être stimulante, mais aussi sembler immense. Partant du choix à faire sur quelle école choisir jusqu'à l'organisation des documents requis, il s'agit de beaucoup à gérer. Savoir ce que vous devez faire et avoir un échéancier pour organiser vos études à l'étranger peut donc être rassurant. Grâce à notre équipe de pré-soumission, cette vidéo est là pour vous aider à déterminer ce que vous devez faire et quand. Allons-y! Première étape, la présélection des écoles. Le processus de recherche et de prise de décision peut prendre du temps. Nous vous conseillons donc de prévoir à débuter votre recherche d'école au moins 16 mois avant d'y postuler. Veuillez considérer la langue d'instruction, le coût de la ville où vous désirez vivre, la réputation de l'école et la disponibilité de vos programmes de préférence. Notre plateforme ApplyBoard est parfaite pour vous aider à raffiner votre recherche. Consultez notre vidéo sur comment postuler pour plus d'informations. Étape 2. Rassemblement des documents. Certains documents prennent plus de temps pour rassembler que d'autres. Vous devrez peut-être passer un test ou soumettre une demande pour les recevoir. Voici une première liste de contrôle de documents et tests que vous devrez prendre en compte. Test de langue, évaluation des diplômes, documents financiers, lettres de recommandation, test d'entrée et relevé de notes officielles. Rappelez-vous toujours que chaque école et pays de destination requiert ses propres documents et des méthodes de candidature spécifiques. Assurez-vous donc d'avoir une liste de ce qui est requis. Étape 3, soumission de votre candidature. Soumettre vos documents à l'école de vos rêves peut être inquiétant. Considérez donc de préparer votre dossier de candidature le plus tôt possible afin de ne manquer aucune date clé. Par exemple, vous ne pourrez peut-être soumettre tous vos documents qu'un mois avant le début du semestre. Il est donc essentiel que tout soit prêt. Et une fois que vous avez rassemblé tous vos documents, remplissez les formulaires de demande et préparez votre dossier. De cette manière, vous pourrez envoyer le vôtre dès que l'école commencera à accepter les candidatures. Nous savons que ce processus peut être stressant. C'est pourquoi nous avons des vidéos comme celle-ci et notre blog qui peuvent vous guider. Assurez-vous de consulter les liens importants ci-dessous et consultez votre agent de recrutement pour plus d'informations. N'oubliez pas, ceci est une période passionnante pour vous et nous sommes là pour vous aider à chaque étape du processus. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo.